Bonjour, je m'appelle Margot. À la SNCF, je supervise la planification des chantiers en Île-de-France et actuellement, je suis engagée avec l'association Proxité, qui est une association qui propose du soutien scolaire et de l'aide aux devoirs à des élèves d'établissements ZEP, donc zone d'éducation prioritaire. Alors, je fais ça parce que ça me tenait vraiment à cœur d'aider des jeunes scolairement, surtout des jeunes qui n'avaient pas forcément eu les mêmes chances que moi, donc les aider à faire leurs devoirs, mais aussi les guider dans la scolarité, et je trouve ça très sympa. Actuellement, je suis en binôme avec une jeune fille qui s'appelle Aïssata. Elle a 15 ans et elle est en 3e. Donc normalement, cette année, elle devait passer le brevet, mais finalement, ça a été annulé et ça sera du contrôle continu. Donc au début, pour maintenir le lien, on s'appelait. Et au début, on continuait à faire des devoirs, donc je l'aidais sur certains problèmes de maths et de français. Et finalement, depuis quelques semaines, on fait plutôt de la prise de nouvelles et savoir comment ça se passe autre que scolairement. Donc qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle lit, qu'est-ce qu'elle regarde comme série, si elle a cuisiné cette semaine et comment ça se passe le confinement. Je trouve ça plus sympa de parler autre chose que d'école parce qu'elle fait déjà l'école à la maison avec les outils connectés. Donc je trouve sympa de déconnecter un peu quand je l'appelle. Et donc ça nous change un peu et c'est très sympa de pouvoir garder le lien malgré le confinement.